Le jeu, c'est évidemment un outil fondamental pour le développement de l'enfant. Dans toutes les sociétés, à toutes les époques, l'enfant spontanément va jouer. C'est-à-dire qu'il va essayer de recréer ce qu'il vit dans le réel, ce qu'il voit dans le réel pour mieux l'intégrer, pour mieux le comprendre. Mais aussi, il va exprimer ses ressentis émotionnels pour aussi mieux les appréhender, les évaluer et mieux les digérer. Donc le jeu, finalement, c'est un espace de l'imaginaire qui permet à l'enfant progressivement d'intégrer, de supporter, d'apprivoiser le réel. Les parents, ils ont un rôle important, c'est-à-dire qu'ils peuvent jouer avec leur enfant s'ils ont du plaisir à le faire, mais ils ne sont pas non plus tenus. Ils peuvent être simplement là à le regarder. Et ça fait beaucoup de bien à l'enfant. L'enfant ne va pas jouer tout seul dans sa chambre, pareil qu'en présence du parent. Donc le parent, il peut tout à fait être là. S'il aime jouer, qu'il joue, qu'il n'hésite pas. Il y a des parents qui adorent ça. Le père qui joue au train électrique, dans la caricature des représentations. Mais le parent peut être là, assis sur son fauteuil, à feuilleter un journal et à offrir un cadre sécurisant pour que l'enfant puisse jouer et exprimer sans inquiétude ses émotions. Parfois, l'enfant, il n'aime pas qu'on soit trop attentif parce que ça le gêne de jouer, parce que c'est un peu son univers personnel. Mais si on est là avec une écoute un peu flottante, ça lui fait beaucoup de bien. Donc, on ne se sent pas obligé de jouer avec, mais c'est vrai qu'on n'hésite pas à être à côté de l'enfant quand lui joue et nous, on fait nos petites activités personnelles. Les jeux de l'enfance ont une influence très importante sur la vie d'adulte parce que d'accord, la possibilité de jouer le développe sur le plan cognitif, sur le plan émotionnel, sur le plan de la relation à l'autre. Donc évidemment, ça le rend plus compétent, plus solide pour ensuite affronter la vie réelle. Donc c'est quelque chose qui favorise aussi sa sécurité affective. Donc ça développe des compétences chez lui qui feront de lui un adulte plus serein et un adulte plus fort. Et déjà dans les jeux, il expérimente un peu, il montre, il donne à voir aussi ce qui pourrait être plus tard. Et toutes les expérimentations qu'il fait dans le jeu, c'est déjà un apprentissage de sa vie future.